Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer un camouflage d'armes, donc un revêtement exclusif pour l'événement Fortnitemare de Fortnite, tout simplement. Alors, regardez, quand vous allez dans le mode créatif, ici, vous avez une pierre qui vous indique une phrase. Alors, cette phrase, il est marqué, donc je l'ai traduite, bien entendu, il est marqué « Fortnite est de retour, mais ce n'est pas que du plaisir et des jeux. Il y a un mystère que nous avons besoin de votre aide pour résoudre avec une belle récompense. 20 numéros sont dispersés dans les 4 îles suivantes introduites dans le hub. » Donc, dans le hub, je suppose que c'est ici. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est les 4 qui sont ici, ouais. Alors, découvrez tous les nombres et assemblez-les pour créer un code spécial. Il va falloir découvrir tous les nombres. Donc, il y a 20 numéros cachés. Il va falloir découvrir tous les nombres pour avoir une récompense spéciale. Ils disent aussi que ce code devra être utilisé sur fortnite.com/redeem, donc ça je le mettrai le lien en description, et sur ce site vous allez devoir noter le code pour débloquer un objet gratuit dans Fortnite. Donc l'objet gratuit, ben, c'est le revêtement que je vous affiche à l'écran, c'est ce revêtement là que vous allez pouvoir débloquer gratuitement. Alors ils disent aussi que le code ne peut être utilisé qu'une seule fois et deviendra disponible dès que les numéros définitifs seront révélés le 24 octobre. Alors, à mon avis, ils disent aussi que le code expirera le 27 octobre et c'est un travail d'équipe. Alors, partagez vos découvertes avec les amis de la communauté. Alors, si j'ai bien compris, le code n'est pas encore totalement disponible. Parce qu'en fait, ils disent que lorsque les numéros définitifs seront révélés le 24 octobre. Donc là, on est le 22, parce qu'il est passé minuit. Donc, ce sera samedi. Donc samedi, il y aura le dernier code qui seront disponibles. Donc pour l'instant, le seul endroit où je sais qu'il y a un code, c'est dans cette map, là. What lay beneath. Donc peut-être qu'il y en a un code dans cette map là, il y en a peut-être là, dans les 4 là. Donc ça ferait 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16. Ouais, ça ferait 16. Ça ferait 16, 20. Ouais, ça ferait 20 numéros, mais 5 jours. 5 jours, moi, il n'y a pas 5 jours là, j'en calcule que 22, 23, 24, voilà, j'en calcule 3. Donc je sais pas trop, je comprends pas trop. Mais en tous les cas, je vais vous montrer le premier code que j'ai découvert, enfin que j'ai vu sur internet. Donc c'est dans cette map là. Donc là, vous appuyez sur carré pour lancer le jeu. Le problème, c'est que tout est en anglais aussi, donc c'est un peu compliqué pour nous français de découvrir un. Bah, de comprendre. Hein. Donc là, on doit attendre que. Bah, il y ait de la lumière. La lumière soit, voilà, la lumière fut. Donc ici, quand vous êtes dans cet endroit, ici, il y a un ordinateur. Vous pouvez voir, ça me fait penser à Call of, ça. Donc cet ordinateur, il est éteint. Le but, c'est qu'il faut l'allumer. Alors pour l'allumer, il faut aller par ici. Vers là, non, il faut aller par ici, voilà. Ensuite, par ici. Et là, il faut aller tout à droite, venir ici et aller tout à gauche. Et là, boum! Get away from sir. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est dommage qu'ils ne traduisent pas en français. Et ensuite, regardez. Là, nous avons un code, un numéro. C'est plus un code, hein. 2, 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Enfin, 4 lettres et un chiffre. Donc, ce code-là, je pense que il est unique à tout le monde. Parce que moi, je pense que je l'ai vu, j'ai vu la même chose que pour celui qui l'avait fait, que j'ai vu sur internet. Je pense qu'il avait le même code. Donc peut-être que ce sera le dernier code qui sera différent. Je sais pas, mais en tous les cas, si vous trouvez un code, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'essaierai de vous tenir au courant quand on aura... Oh. Quand on aura un truc. Ah, ça, c'était peut-être pour trouver l'indice. Ça nous donnait peut-être un indice. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Je sais pas trop. Enfin, écrivez dans l'espace des commentaires si vous trouvez des informations
Pour l'instant, j'en ai pas plus, mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'informations. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur Cool Mec et ciao. Peace.